Le baiser dans la lune. Beaucoup ne le connaissent certainement pas. C'est la pleine lune. Prenez des jumelles et accommodez-les, à votre vue, puis observez le disque de la lune dans le ciel. En divisant le cercle de la lune de haut en bas, vous parviendrez sans faire un grand effort d'imagination, à apercevoir sur la droite, le vaste profil de la tête chevelue de l'homme, tourné vers la gauche. Puis sur le côté gauche de la lune, vous remarquerez la petite tête ronde de la femme, à moitié cachée par le profil de l'homme. Elle est de face, un peu inclinée, perdue dans une mer de cheveux. On aperçoit d'elle son œil, sa joue, et un petit filet de lèvres tout près des lèvres de lui. Comme vous le voyez, la composition est artistique et forme un tout. C'est simplement le côté poétique de la lune. Pourtant, la découverte de ce jeu de taches figurant sur le disque lunaire remonte à seulement un peu plus d'un siècle. Et c'est très surprenant quand on y réfléchit. C'était le 20 août 1880, lorsque le poète triestin Filippo Zamboni, en compagnie de son épouse Emilia Dagnan de Fichtenhain, découvrit le baiser dans la lune, à Naples. Après avoir passé la majeure partie de sa vie à faire connaître les visages des deux inséparables visibles dans la lune, Filippo Zamboni écrivit un ouvrage intitulé « Il bacio nella luna ». Il semble invraisemblable que la découverte du baiser dans la lune remonte à la fin du 19e siècle. Quand nous savons que depuis 2000 ans, de nombreux savants ont scruté le ciel dans ses moindres détails, comme par exemple, Ératosthène, Pythagore, Thalès, Héraclite, Parménide et bien d'autres encore, puis ceux de la cosmologie du Moyen Âge, copernicienne et newtonienne avec par exemple, Ptolémée, Copernic, Galilée, Kepler, Newton, n'ont pas relevé le très beau baiser dans la Lune, malgré leurs multiples observations et conclusions du ciel pendant des centaines d'années. Et il faut souligner que la grande majorité des grands savants de la cosmologie moderne ne parlent pas du baiser dans la Lune, eux qui pourtant rêvent d'espace et rêvent d'infini, mais ne rêvent pas du baiser dans la Lune. Ils préfèrent nous faire rêver grâce à des images de l'univers créé de toutes pièces comme nous pouvons le regarder dans ce reportage. Our images that inspire, educate, and sometimes just make us say, wow. Over the years, NASA has given us spectacular photos and renderings that reveal a colorful and mysterious universe. No doubt. And now Chris Martinez is introducing us to two of the artists behind some of the most iconic space art in the galaxy. In a small bright office, working side by side, Robert Hurt and Tim Pyle bring the universe to life. What we're doing does have real science underlying it. Robert is an astrophysicist turned artist. Tim, once a Hollywood animator, is now a planet illustrator. Together, they produce some of NASA's most popular images, from renderings of how planets light years away could look, to actual photos of stars and galaxies captured by NASA's powerful telescopes. And this is sort of how it comes to me. Many of those images have a dark, grainy start, but color and light reveal an astonishing glimpse of how the deepest regions of space might appear to the human eye. What I'm trying to do is show people sort of the broader colors that the universe has to offer. It's a delicate blend of imagination and data. The artists meet with NASA scientists over many drafts to ensure a planet or galaxy's look lines up with the research to make each one as accurate as possible. I love the challenge. It's kind of like a puzzle to me, of trying to create something that looks really cool within the restrictions that were given by the scientists. It can take days, even weeks, to produce just a single image. The dazzling final results, enough to keep us all dreaming of the final frontier for years to come. Chris Martinez, CBS News, Pasadena, California. Notons dans ce reportage comme dans beaucoup d'autres, le mot par excellence très souvent cité, à savoir, le mot rêver. Le mot rêver entretenu par l'ensemble de la cosmologie moderne, mais qui se garde bien de citer Filippo Zamboni. En attendant, adressons un grand merci à Filippo Zamboni pour réellement nous faire rêver, grâce au baiser dans la lune.